Salut tout le monde, comment ça? J'ai bugué. Pas du tout, pas du tout, absolument pas. Non, techniquement, après la petite animation, là, j'étais censée arriver, mais apparemment, il n'a pas voulu. Coucou tout le monde, salut, salut. Je vais directement ajouter les personnes qui sont là avec moi, comme ça on pourra directement leur dire bonjour. Allez, on se prépare les filles. Salut! Bonjour! Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Ça va, et vous? Et ça Ça va va, ça aussi? va. Non, j'ai pas 3 minutes de retard, c'est pas vrai. Je l'ai lancé à 21h01, techniquement. Alors, ça suffit, hein. Je ne suis pas Reste calme. d'accord. Il y a exactement 7 minutes, j'étais encore chez des amis à mes parents. Comment vous allez? J'ai fait le rallye pour Oh, rentrer. t'es trop rapide, Audrey. Félicitations. Félicitations. Eh, moi, j'ai juste préparé la mini déco. Vous les voyez ou pas? C'est beau, c'est beau. Faut pas que Bravo. j'y touche, sinon elles vont tomber. Bravo. Mes petites Funko Pop. Non, moi, elles Je me sont suis là, dit, mais qu'est-ce on que les voit j'ai? Pas pas. j'ai que ça. Alors, moi, j'en dois en avoir. J'ai une Il y a trop de collection lumière de... derrière toi. Ouais, de goodies La Belle et la Bête. J'en ai partout. Oui, je sais, Laura, que tu rigoles, hein, évidemment. T'inquiète. Puis bon, j'ai tellement la réputation d'être en retard que... Il n'y a pas de souci. Du coup, pour le moment, on est avec André, Tasse et Bréchet. Normalement, vous avez les liens en barre d'infos si je ne me suis pas plantée. Vous avez deux Stéphanie après, Chronique de Loli et Steffi Wolf. Et du coup, on est là pour parler de Rose Éternelle. Que j'ai terminé à 17h, mais ça, vous ne le dites pas trop. Avec presque un mois de retard sur le planning Franchement, je crois. initial. On le dit pas, on le dit pas. On dit rien, on dit rien. Je vois pas de quoi tu parles. En vrai, on a repoussé ce live à cause de moi. Voilà, je suis coupable. Je plaide coupable. Je veux même pas clamer mon innocence, moi. Salut, la fée enchantée. Mais c'est tout. Bonsoir. C'est ma faute. Voilà. Et puis, il nous manque encore Marine. Et puis, bah, forcément, Ophélie, Je hein, qui suis est pas loin. désolée. Ah, il est là. Désolée, je bouge un petit peu, mais j'avais perdu un truc très essentiel. Je voulais secouer un petit peu les retardataires, je ne trouvais plus mon téléphone. Ah non, Luna, elle est en bas. Hein. Luna la star. J'aime ce commentaire, mais Luna la star. Luna la star, elle est en bas. Hein. Elle est en bas, elle est avec son père, elle est très bien. D'ailleurs, demain, c'est son anniversaire. Notez-le. Ah. C'est l'anniversaire de Luna demain. Voilà. On est content, hein, tu vois. Alors, moi, je sais que je l'ai bien en tête, le roman. Je sais que certains l'ont lu beaucoup, il y a beaucoup de trop longtemps parce que c'est moi qui ai tardé. Donc je tiens à m'excuser publiquement. Voilà, vraiment, je suis désolée. Ah oh oui, Steph. Il me semble que Stéphie, toi, c'était ta première lecture de mai, quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Du coup, ça remonte un petit peu, mais ça va. En vrai, ça va. Ah, salut Marine! Coucou. Salut! Bonjour Comment tu Marine. vas? Ça va bien et vous? Bon oui, moi je suis plutôt contente d'être arrivée à 21h, j'avais envie de parler avec vous. Bah oui. Plutôt contente. Depuis 17h, j'ai terminé le roman et je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle. Bon bah c'est ce soir, bon bah c'est tout. T'as tenté un coup dans la conversation? Non, non, franchement, je serais pas allée plus loin. C'est juste que je vous ai donné les trucs qui étaient obligatoires. J'étais obligée de vous envoyer ça. Ouais, Marjorie, heureusement, nous avons des personnes qui ont de la mémoire ici. Fort heureusement. Je l'ai relu du coup. Oui, Ce que je du disais coup, justement, ouais. qu'on n'était pas. Ah bah toi, tu l'as relu carrément. Pas la partie 1, mais le reste, ouais. Je suis Ouais. admirative parce que. Moi, je pense que je vais. Enfin. Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas eu le C'est courage clair. de relire. Hein. Je veux bien reconnaître que. J'ai déjà passé un Moi, mois et demi déjà, en une dessus. semaine. Et du coup, tout le monde l'a lu en version papier? Oui. Oui. Oui, Rappelle-toi, c'est pour ça que j'ai commencé avec 15 jours de retard.
c'est vrai. J'ai commencé avec un mois et demi de retard, je pense, à ce tarif-là, tu sais. Mais moi, je l'ai lu en papier, en numérique, du coup, parce que je le voulais pour le soir aussi. Et je l'ai écouté en audio aussi. Ouais, il est disponible sur Audible. Ouais, mais il fallait que je le lise en une semaine, en fait. Et moi, une bricasse comme ça, en une semaine, avec le travail que j'avais cette semaine, c'était mort. Je l'ai fini à 17h, t'imagines, avec le grand format. Donc, autant dire que voilà, moi, je l'ai écouté en voiture aussi. Et franchement, si vous avez Audible, franchement, c'était trop bien. Je ne sais plus le nom de la personne qui lit le roman, mais c'était excellent. Ah, il y a Ophélie. Excuse-moi, Ophélie, tu étais en dessous. Je t'ai fait venir aussi. Hop. Du coup, je ne sais pas du tout. Bonjour. 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 Allez tout le monde, excusez-moi pour le retard. Merci beaucoup. Pas de soucis, c'est la marque de fabrique. Ouais, ça va, mais ça nous a permis de montrer le roman, c'est bon. Oui, je crois que ma tablette, je vais la balancer par la fenêtre parce qu'elle est trop vieille. Donc j'ai basculé sur le portable. Voilà. Les aléas. C'est de violence. Mais merci oui, d'avoir mais à un moment donné, il faut. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous de m'avoir invité en tout cas. Merci à toutes hein, d'ailleurs de venir par ici. Hein. Parce que pour la petite histoire, on avait un petit peu l'habitude de se réunir sur un club de lecture. Alors là, pour le coup, c'était vraiment une fois par mois à ce moment-là quand je le faisais. mais du coup, c'était pas en live. Donc merci d'accepter aussi de venir en live, les filles. C'est autre chose. Et Yelena, tu es une première supportrice, hein, évidemment. Coucou. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes dans le chat qui l'ont ou qui l'ont lu? Ça peut être intéressant aussi de savoir ça. D'ailleurs, je crois qu'on peut dire qu'on a toutes globalement aimé l'histoire. Oui. Oui. Je suis en train de m'avancer pour tout le monde. Pas le cas, je suis en train de m'avancer. Si, si. Non, si, ça fait. Enfin, du coup, moi, je l'ai fini il y a un moment et j'étais bon. Alors, vivement le live qu'on puisse en parler. C'est ça. Non, parce que du coup, ouais. Moi, j'attendais. Je n'ai pas publié ma chronique. Je. Voilà, c'est. Oui, et puis comme on ne l'a pas toutes lues exactement au même moment, on n'osait pas trop non plus en parler pour ne pas influencer non plus les unes et les autres. C'était un peu. On voulait quand même que chacun découvre. Bah oui. Ah oui. On voulait quand même que chacune semaines, découvre. Donc forcément, moi, tout le monde l'avait lu, donc c'était simple. Bah, oui. Ah oui. Au moins, bah, je pouvais en parler au fil de ma lecture. Désolée. Oui, c'est vrai que Stéphie, elle a dû se retenir pendant 2 mois. Si peu. Désolée. Ouais, j'ai mieux. Alors, il y a un immense coup de cœur. Ouais. Lui a beaucoup aimé. Super livre, bon, dis donc. C'est une anime. Très intrigué. Il était génial, bon, dis donc. On ne tarit pas d'éloges dans le chat. Qu'est-ce qui a envie de parler un petit peu en premier? Qui se lance? Parce que moi, j'ai plein de choses à dire, mais je vais vous laisser parler quand même. Ben sinon, on commence et puis on rebondira au fur et à mesure. Ouais. Ah, quelqu'un là en audio. Oui, du coup, enfin. il est lu par Alexandra Maury. Merci. J'avais le Alexandra, mais pas l'esprit. Merci. Mais moi, justement, la version audio, ça m'a donné... Alors déjà, ça m'a donné une prononciation des personnages qui n'était pas forcément celle que j'avais dans ma tête parfois. Déjà. Mais quelle version. C'était pas forcément celle que j'avais dans ma tête non plus. Hein. Ah, d'accord. Et bien, justement... Comment il se dit? Comment ça se dit du coup? Parce que moi, dans ma tête, il y avait Adrienne, tu vois, et dans l'audio, elle disait Adrien, et du coup, maintenant, je dis les deux parce que je sais pas. Donc, c'est compliqué. Dans ma tête, c'était Adrienne, en fait. Ah, bon, moi, j'avais Adrien. Alors, moi, je disais Adrienne aussi, ouais. Non, moi, je disais Adrien. Et peut-être parce que j'ai eu des Adrien dans mes classes en cours. Mmh. Et c'est le royaume. C'était prononcé aussi Gel. Et moi dans ma tête, oui, il n'y avait pas de U, mais du coup, c'était c'est le royaume de Gel, en fait, pour moi. Mais d'accord. J'aurais peut-être dû mettre un U, c'est pas grave. Ouais. Moi, je l'ai prononcé Gel, ouais. Et les dédicaces de Ophélie. Mais oui, celle aussi, c'était plutôt pas mal. Moi, je l'ai la semaine prochaine, ma dédicace. Oui. Moi, je Il y en a une qui vient avec facile.
Moi, je l'aurai un jour, je ne désespère pas. Oui, moi aussi. Oui, pareil. Ah ben, tu vois. En plus, avec Julie, on n'est pas loin. On fera un combo. Un jour, on aura un salon. on est plutôt contents de les retrouver, là, les salons, parce que... Oui. J'imagine, ouais. J'ai hâte. Oui. J'attends la semaine prochaine. On est en apnée, là. On est Moi aussi. En apnée. Moi aussi. Je crois que c'est unanime. Oui, c'est clair. Moi, j'en ai pas fait depuis 2019, donc oui, clairement. Ça devient un peu dur. Ouais. Ah, j'ai fait. On a fait les aventuriers là. On a eu la chance de ce salon qui était en fin d'année. On avait eu cette petite parenthèse, ouais. Passer entre les gouttes, ouais. C'est ça. Carrément. Ouais, non. Ça fait un moment. Hein. Un bon moment. Ouais. Mais c'est pas grave, ça va revenir. Allez. Pour vous, ça revient plus vite que pour moi, mais c'est pas grave. Voilà. Oh, regarde Audrey. Oui. Bah, j'espère que ça te plaît. J'espère que c'est pas parce que ça te plaît pas. Arrêtez, il fallait me le dire. Hein. Il faut prévenir avant, on n'était pas prêtes. Mais non, oui, mais alors voilà, je ne suis pas encore là, moi. Marine a eu la chance d'avoir la première dédicace illustrée. Même moi, je ne l'ai pas encore. Comme ça. Moi, je ne l'aurai pas avant la semaine prochaine. J'habite à côté de l'illustratrice. Oui. Donc, je lui ai apporté mon exemplaire. Ah ouais, pas mal. Du coup. Donc, le royaume de Gaël. Et je vous ai montré ou pas, je leur montre toujours à mes abonnés ce genre de choses qui est très important. Il y a une carte. La carte. Ouais. Il n'y a pas que une carte, il y a des dessins partout aussi. Ah oui. Ouais, carrément. Il est magnifique. Déjà, on pourrait peut-être parler de l'objet livre déjà, qui est vraiment superbe, qui a une superbe illustration de couverture, une très jolie carte. Des illustrations, des entêtes de chapitres illustrées. Vraiment, l'objet livre, il est super agréable déjà. Ouais. Ça, ouais, c'est vraiment un... C'est un régal. Ouais. Puis même à manipuler, il est super agréable aussi. Ouais. Il est pas trop rigide. Enfin, franchement, c'est peut-être un détail, mais il est vraiment super. Tu peux pas le casser, en fait. Et ça, c'est bien, tu peux pas le casser. Exactement, oui. Oui, il est cassé, le bien. Oh, ouais, comment t'as fait? Comment t'as Elle l'a eu deux fois. Elle l'a eu deux fois. J'avoue que franchement, pour avoir toute la bibliothèque Prime Blanche dans ma bibliothèque, faut le faire quand même. Ouais, j'ai aussi, mais j'ai pas cassé de dos encore. Non, mais j'ai par contre, je veux pas dire, mais moi, il a eu raison de mes poignets. Ouais, il pèse quand même son poids. Nathalie, il y a une semaine pour le lire, s'il vous plaît. Hein. Alors, je déconne pas. Sacha, c'est la même, c'est Anna Dittmann. Je vois le commentaire passer, mais bon, on va répondre. Ouais. Ok. L'objet livre est magnifique. Alors, il est gros, mais honnêtement, moi, j'étais frustrée à la fin, quoi. Enfin, franchement, j'étais frustrée que ça soit fini. Bah oui, ah, mais oui. Mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Cet immense vide ressenti. J'ai l'impression que tu peux aller jusqu'au bout avec eux, en fait. Hein, mais oui, oui. T'as envie de continuer avec cette jolie carte. Hein. T'as envie d'aller un peu plus loin. Bah oui, d'aller explorer. Ensuite. Bah oui. Bientôt. Oui. Ah, donc il y a vraiment une suite. Bon, voilà. Ah. Parfait. Moi, j'ai encore plein de questions en suspens, c'est pour ça. Faut pas s'attendre à ce que ce soit une suite de Roses Éternelles, c'en est une, mais avec d'autres personnages. Et voilà, c'est une réécriture de la Petite Sirène dans le même univers. Après, si les gens font ça, peut-être qu'il y aura quelques clins d'œil. Bon, faut qu'on soit très sage alors. Oui, on va être très très sage. Bah, le pire, c'est que je me suis posé la question avec la Petite Sirène à la fin, mais ok. Très bien. Ah, mais ouais. Moi, je le savais, du coup, quand j'ai vu le clin d'œil arriver, je fais « Ah !» J'ai pas fait attention au clin d'œil. Ah, si, si, si.
relis une troisième derniers. Fois, tu vas voir. Ouais. Non, je relis une troisième fois, ça marche. Je note. Oui, oui, hein, la mais fin, oui. Ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça donne envie de le relire de suite, ouais, je suis d'accord. Bah, c'est bah ce que voilà. Marie a fait d'ailleurs. Non, moi, je leur ai envoyé un message cet après-midi parce que pour pas mentir, je l'ai fini cet après-midi. Je leur ai dit, mais je fais quoi maintenant? Maintenant que je l'ai fini, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Aura, je sais pas. Pas, hein, j'ai commencé un comics hein, pour vous dire. Je sais pas. Je dois être désolée du coup ou pas Non, c'est une vraie question. Non, c'est bien. Ah, merci, je ne suis pas. Maintenant, il faut qu'on attende la suite. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça dépend de quand est-ce qu'il arrive, quoi. C'est ça. Je me suis dit que je suis contente de l'avoir lu maintenant et pas à sa sortie, parce que ça raccourcit la suite. Ça raccourcit la suite. Exactement. La pression. Ah, faut pas attendre l'année prochaine ou mince. Ouais. Voilà, il va falloir 5 packs, là. Tu vas en passer 5 packs, tu sauras pourquoi c'est. Ça marche. Eh, attends, déjà que je gère le mien, hein, parce que plus blanche, de toute façon, aura la peau de ma carte bancaire bien avant l'heure de ma retraite. Mais, non, mais je serai notre envoyée spéciale à Mons. Je vous ramènerai vos exemplaires, les filles. Moi, je viens, t'inquiète. On va faire ça, livraison du marché noir de tome 2. Tellement. Et moi, j'aurais une tour de piste devant moi. Oh mon Dieu, au secours. Très bonne question, la fée enchantée. Est-ce que Philippe pourrait nous dire d'où lui est venue l'idée? J'imagine qu'elle est fan du Disney. Ah, longue histoire, effectivement. Une longue histoire d'amour avec les Disney, en effet. déjà, effectivement, j'adore les Disney. De toute façon, je suis fan. Hein, ça, quiconque me connaît, c'est un fait avéré. après, effectivement, La Belle et la Bête, c'était mon Disney préféré depuis toujours. Et en fait, il s'est trouvé qu'en 2014, ils ont sorti une version de La Belle et la Bête en film. C'était, je sais plus qui était le réalisateur, mais c'était avec Vincent Cassel. Enfin, je sais pas. C'était Christopher Guest. Les autres acteurs. Bon, merci, bien joué. Alors là, par contre, toute mon admiration. J'en ai eu besoin pour ma chronique parce que j'ai clairement retrouvé. J'en attendais beaucoup. Ouais, moi aussi, je me souviens. Ouais. En fait, je suis allée voir au cinéma. J'en attendais beaucoup. Alors, après, ça, c'est que mon avis, mon ressenti, c'est très subjectif. Mais j'ai pas eu ce que je voulais. J'ai pas ressenti les émotions que je voulais. Donc, effectivement, j'étais un peu déçue par ce film. Le décor était magnifique. Mais en histoire en elle-même, ça m'avait déçue. En fait, je suis ressortie de la salle de cinéma tellement frustrée que le lendemain, j'écrivais le prologue de Rose Éternelle. Donc, en fait, concrètement, ce roman était censé redevenir rien du tout. Je l'ai écrit sur un coup de tête, un gros coup de tête. Et puis voilà, en fait, c'est parti de là. Et c'est devenu bien plus que ce que je pensais au départ, pour le coup. Moi aussi, j'en suis ressortie frustrée, mais je n'ai pas écrit de roman. Pas encore. Mais le pire, c'est qu'en fait, j'y ai pensé en lisant le tien. Et je me suis dit, tiens, le film aurait dû être ça, en fait. Tu vois, comme quoi... Non, mais le pire, c'est que j'y ai réellement pensé. Je ne suis pas en train de l'inventer. J'y ai pensé cette semaine. J'ai pensé à ce film. Parce qu'autant le film de Disney, c'est juste globalement repris avec quelques ajustements, quelque chose. Bah, franchement, voilà. Merci. C'est un énorme compliment, là, pour le coup. Franchement, non, je le pense vraiment. Et je l'ai vraiment pensé cette semaine. Donc, je suis ravie que tu dises ça, en fait. Cette anecdote, elle marche vraiment avec ce que j'ai ressenti, quoi. Je me suis dit, voilà, le film, il était tellement... Enfin, pour moi, c'est pareil. J'avais pas ressenti ce que je voulais. Et là, je me suis dit, mais pourquoi c'est pas celui-ci en film, en fait, ça aurait été tellement mieux. Ouais, on n'est pas les stars. Bah, franchement, ça me fait vraiment plaisir. En fait, le film... Ouais. Il y avait des bonnes idées dans le film, mais ça allait pas, c'était pas... C'est vrai elle le hait, et la seconde d'après, elle l'aime, et t'as pas compris pourquoi, en fait. T'avais des séquences de scènes sans véritable lien et d'émotion les unes entre les autres, et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas l'histoire d'amour que j'attendais, c'est pas l'histoire que j'attendais. Il y avait de très très bonnes idées, les décors étaient sublimes aussi, quoi, mais... Ouais. Voilà. C'est vrai que je me suis posé la question en fait en l'écrivant, mais en fait le Disney il allait pas en profondeur. Il a eu un super mauvais caractère. Il était arrogant. Il avait plus de vraiment d'humanité si je puis dire. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Je me suis vraiment posé la question. Pourquoi? D'où ça vient quoi?
C'est ça. Et je voulais vraiment creuser en fait de ce côté-là parce que pour moi, il n'y a jamais du tout blanc ou tout noir. Les personnages sont ou les êtres humains en eux-mêmes sont jamais manichéens et il y a toujours une origine en fait aux choses. Et je voulais vraiment creuser de ce côté-là et c'est pour ça que je l'ai écrit. Ben moi, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, justement, ce côté voir d'où vient la bête et toute la partie de découverte du cheminement et du passé de la bête. C'était. Moi, j'adore. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est réussi parce que moi, c'est aussi la partie que j'ai préférée. Toute l'histoire, le passé, les fondements qui s'intègrent dans une mythologie de l'univers beaucoup plus vaste, en fait. Ouais. Et voilà, c'est. Le tout est très cohérent. Et on comprend mieux. D'accord. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi toute la partie interaction entre les personnages et d'avoir toute la complexité de qu'est-ce que la malédiction entraîne pour l'entourage aussi. Pour les gens qui étaient au château à ce moment-là, pour... Enfin, après, et en sortant du cadre habituel qu'on connaît déjà. Ouais. C'est ça. Et il y avait vraiment cette richesse et cette densité... où clairement, moi, il y a des scènes du Disney que j'ai retrouvées. On a parlé oui, de la scène du bal, on a parlé du. Oui, du c'est ça. Particulier ou. Ouais. Vraiment. Bah, en même temps, je pense que si tu les avais pas eues, ça aurait manqué, par contre. Oui c'est ça. On avait ces checkpoints. En fait, le film n'est jamais ressorti un peu de cette. Et en même temps, c'est vraiment un univers différent. C'est pas. Là, c'est un univers qui a un passé, une histoire, un avenir, paraît-il. Voilà, je l'ai lu en deux soirées, je crois. Oui, bah oui. Un soir, tu nous disais tu le commences, le lendemain, tu nous disais je termine. J'ai fini. Je me suis amusée sur certaines choses. Moi, je suis d'accord avec Marine et Audrey. Hein, je trouve pareil que les personnages, ils ont une vraie densité, quoi. On n'a pas juste effectivement un amour au premier regard. Ils se découvrent. Et puis moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est toute la première partie où on va être avec le personnage féminin. Et du coup, on va vraiment la découvrir en totalité, indépendamment de la bête. Elle n'est pas juste l'amoureuse de la bête. Elle est vraiment un personnage à part entière. Et après, on rencontre la bête, on découvre l'histoire de la bête et l'histoire, elle se construit au fur et à mesure. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette bête qui est grise, en fait. Elle n'est pas méchante, elle n'est pas gentille. C'est son histoire qui l'a amenée à cet état-là. Et non, moi, j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé toute cette partie-là, quoi. Alors moi, en ce qui me concerne... Vous avez plus ou moins toutes dit que vous n'aviez pas aimé le film avec Vincent Cassel. Moi, je trouvais qu'il y avait de belles images et je m'étais arrêtée là-dessus. Et honnêtement, pour le coup, je l'ai retrouvé aussi là-dedans. Alors bon, si c'est une réponse au film, du coup, ça va, ça marche, ouf. Mais oui, j'y ai trouvé de belles images, de la poésie aussi. Donc, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et par contre, l'histoire de la bête est horrible. Mais bon, voilà. Oui, il ne spoilera pas. Non, voilà. Mais bon, ça explique vraiment pourquoi il est devenu ce qu'il est. Peut-être. Mais c'est... Voilà. Je suis d'accord avec Sacha. Sur les personnages de aussi. Oui, tout à fait. Ah, toujours. Bah, c'est ça, hein. Et puis même, enfin, moi, c'est pour ça que j'aime bien les méchants en général. Ils ont toujours cette profondeur du pourquoi est-ce qu'ils sont devenus comme ça. Donc, on s'y retrouve. Moi, j'ai du coup quelques pauses. Moi, ce que je disais aussi sur ce roman, c'est globalement, tu vois, pour moi, c'était l'histoire de la Belle et la Bête, mais avec un univers entier absolument incroyable et des personnages développés. Et je me suis dit, ok, forcément, ça va matcher pour moi et c'est exactement ce que j'ai retrouvé dedans. Donc, J'étais toute contente. Et après, il y a aussi pas mal de personnages qui sont justement ajoutés à l'histoire et heureusement, parce que du coup, ça te fait une certaine densité de toute cette intrigue-là qui se base sur différents lieux. Voilà, c'était aussi très riche de ce côté-là. Oui, il y a des personnages secondaires qui sont aussi très attachants ou très intéressants, on ne va pas dire attachants pour certains, mais très intéressants, qu'ils soient du bon côté ou du mauvais côté, on va dire. Mais même les personnages secondaires, ils sont eux aussi parfois gris aussi, ils ne sont jamais tout blanc ou tout noir.
Et parfois, moi, je me suis un petit peu fait le jeu du qui est qui, tu sais, quel personnage pourrait être assimilé. Oui, au début, j'essaie de chercher aussi. Je me suis plantée plusieurs fois, d'ailleurs. C'était marrant. Mm-hmm. Ça m'a beaucoup plu de me tromper, justement. Je me suis dit, OK, ils sont tellement développés que j'ai réussi à me tromper, et ça, c'est cool. Ah, il y a un commentaire parfait, là. Ah. Ah, voilà. Bravo, Marjorie. Moi, au niveau des personnages, ça surprendra peut-être pas... Merci beaucoup, Marjorie. Ouais, ça surprendra peut-être pas les personnes qui suivent régulièrement le blog, mais c'est Azren qui m'a tapé dans l'œil. Évidemment. Voilà. Sur ma fin par rapport à lui. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je suis restée sur ma fin par rapport à ce personnage-là. Ouais, ouais, mais c'est pour ça, j'attends. Là, mais... c'est... Voilà, mais du coup, maintenant que j'ai confirmation qu'il y a bien une suite, je me dis que c'est pour ça que je suis restée sur ma fin. Peut-être. C'est normal. Oui, voilà, je pense que ce personnage, je pense qu'on peut affirmer sans avoir lu le tome 2 que si on le retrouve pas, c'est qu'il y a un raté quelque part, tu vois. Mais moi, je fais confiance à Ophélie sur ce point-là. C'est bien parce qu'on a Ophélie qui serre les lèvres, qui reste comme ça en mode... Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. C'est ça, même le couteau sur la gorge, je suis une tombe. Oh, faut bien que je m'amuse un petit peu. Hein. Les derniers mois ont été compliqués. Oh bah oui. Alors... Oui. Là. Le roman en trois mots. Ah, c'est facile, il y en a déjà deux là sur la couverture. Tu, tu rajoutes amour et puis c'est bon. Non, moi j'aurais dit poésie pour la plume. Oui, non, vrai. Après, j'aurais dit univers, parce que vraiment, l'univers, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Après, le dernier... Ouais, densité, c'est quelque chose qui décrit bien l'ensemble. J'aurais quand même laissé complot de mon côté. Peut-être. J'aurais mis complot quelque part, parce que c'est aussi assez central, finalement, dans l'histoire. Oui, plein. Liberté aussi. Force de caractère et physique. Ouais. Parce que pour le coup, on a un bon combo. Il y a quelque chose autour de la pulsion de vie et de l'élan de vivre et de la rage de vivre presque, qui s'exprime différemment en fonction des personnages. Mais, pour moi, il y a vraiment ce côté de rage de vivre, d'aller au bout de soi, que ce soit par au bout de ses convictions, au bout de ses sentiments, au bout de... Enfin, voilà. Et je suis d'accord avec poésie aussi. Moi, c'est j'ai lu le prologue, je me suis arrêtée, je me suis dit, OK, tu vas pas réussir à le lâcher, celui-là. Ouais. Mais c'est ça. Je le dis souvent, parfois, rien qu'avec un chapitre, tu sais que le roman va te plaire. Mais ça tient pas à l'univers, ça tient pas au personnage parce que tu les as pas encore, mais ça tient à la plume, en fait. Oui. Ça, je suis tout à fait d'accord. Bah, pour l'anecdote, j'avais commencé à lire la Lumière d'Ivana, qui est ta précédente trilogie, Ophélie, qui est plus disponible, je crois. Et bon, je l'ai lu dans une période qui n'était pas forcément propice à la lecture pour moi, mais j'avais arrêté au bout de trois chapitres parce que je sais pas, c'était pas forcément peut-être la plume, ou enfin c'était le tout qui faisait que sur le coup j'ai pas continué. Et je pense que c'est pour ça que Rose Éternelle est restée un moment dans ma palle, c'est parce que j'appréhendais de rouvrir un nouveau livre en me disant mais c'est pas possible. Ce que fait Ophélie quand tu le vois sur les réseaux, quand on échange, c'est quelque chose qui t'emballe complètement. Et j'avais peur d'ouvrir le livre et que ça me refasse le même coup. Et que je sois frustrée, du coup. Et là, j'ai lu le prologue, j'ai lu le premier chapitre. J'ai dit non, mais clairement, c'est bon, c'est parti. Ça y est, j'ai accroché. Donc voilà, ça, c'est l'anecdote. Moi, je suis d'accord avec Onirique aussi. Totalement. Et moi, j'aurais aussi rajouté le mot « femme ». Oui. Oui. Moi, j'aurais rajouté « femme » parce que… Girl power. Eh oui, femme parce que parce qu'elles sont, indépendamment du personnage principal, il y a quand même quelques thématiques féminines très, très, très importantes. Et je ne peux pas dire pourquoi, mais elles sont super importantes. Ça, c'est une question, je crois que Alexandre avait posée tout à l'heure. Je suis désolée, j'ai les zappés. Tu as mis combien de temps pour écrire l'histoire et quelle est ta méthode de travail ? Une question qui revient souvent, je pense.
Ah bah, de toute façon, avec Marion de Plume Blanche aux commandes, la méthode de travail. Bonne question. J'ai commencé. Alors, j'ai posé les premiers mots de Rose Éternelle, du coup, fin 2014. Ouais, mais de base, il était, vu qu'il n'était pas censé devenir quoi que ce soit, ce roman, je ne me suis pas posé de questions, tu vois, déjà. Et j'ai commencé à l'écrire, j'ai posé les premiers mots fin 2014, début 2015. J'ai dû faire une... En fait, j'ai dû faire une grosse pause entre les deux, après tout ça, parce qu'effectivement, j'ai publié ma première trilogie, La Lumière d'Evana. Et en fait, ça a été 2 à 3 années de réécriture, correction pour cette série-là. Et j'ai vraiment repris Rose Éternelle, du coup. J'avais déjà écrit toute la première partie quand même, quand je l'ai repris. Je l'ai écrit, attends, je m'en perds du coup dans les dates, mais je l'ai repris 2018, je crois. 2018, ouais. J'ai fini en avril 2018. Et puis après, c'est pas que je l'ai soumis, je l'ai pas soumis ce manuscrit. C'est Marion qui est venue me voir pour me dire écoute, si t'es intéressée par Plume Blanche, je veux bien que tu me l'envoies et puis je te redis ça, quoi. En gros, ça s'est fait un peu comme ça. Voilà, je l'ai pas amené autre part, ce roman. Donc, je l'ai écrit en tout, je pense que j'ai dû mettre un an. Voilà. Ouais. Si ça répond à la question. Ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous voulez qu'on enchaîne avant d'autres questions avec une première lecture d'extrait, peut-être? C'est Ophélie qui fait le show, en fait, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je crois qu'elle a de l'attention. Super, merci pour ça. C'est pour ça, j'ai pris des forces à la pause de thé. Ouais, c'est ça. Je lis alors, du coup, je fais la lecture. Ouais, oui. Allez. S'il te plaît. Une histoire. J'ai amené mon exemplaire aussi. Bon, allez, c'est parti. Juste que je retrouve, parce que je suis... Et non, je suis trop loin. Parce que j'ai déterminé le petit extrait que j'allais vous lire. Juste pour être sûre, avant que je commence, vous m'entendez bien, du coup, parce que ce serait bête d'avoir... Ouais. Et ça bonne ? Ouais, c'est bon ? Ok. Allez, c'est parti. Il ressentit immédiatement sa présence. Son rugissement se répercuta jusqu'au tréfonds du château et fit trembler les murs. Les gens s'affolèrent. On entendit du verre se briser. Un cri d'effroi s'éleva. Il les ignora, tout à sa fureur. Quelqu'un avait osé violer son domaine. Il allait le tuer. Il entendit Kevrine couvrir vers lui et lui hurler quelque chose, mais il ne l'écouta pas. Fou de rage, il s'élança. Comme une ombre, il galopa à travers le château, au milieu des quelques serviteurs qui, effrayés, s'aplatirent au mur pour le laisser passer. Il ne les remarqua pas, sans un brouillard écarlate l'aveugler. Il fila comme le vent, son objectif droit devant. Il dépassa les enceintes et traversa une partie du domaine à toute allure. L'air était humide. Une brume enveloppait tout et donnait un aspect éthéré au paysage. Même la végétation abondante et pratiquement sauvage qui entourait le château était recouverte d'un voile épais. Au-dessus de ce dernier, la lune était dissimulée derrière les nuages sombres. Pourtant, ce qui se dressa juste devant Adriane se détachait parfaitement dans le noir d'encre de la nuit. Un mur de rose rouge s'élevait jusqu'au ciel. Les pétales délicats voletaient sous la brise du soir et la rosée humide les faisait parfois scintiller comme des perles. Une odeur entêtante les entourait et embaumait l'air d'un parfum ensorcelant. Même dans l'obscurité, les fleurs semblaient luire. Mais alors qu'on s'en approchait, on pouvait voir la vraie nature de ce qui se dressait, massif, imposant et majestueux, comme s'ils voulaient atteindre les cieux. L'arbre, entièrement recouvert de ses roses écarlates, devait avoir plus d'un millénaire pour avoir atteint une telle hauteur et épaisseur. Son tronc était aussi large qu'une maison, et ses rameaux s'étendaient presque sur toute la clairière où il se tenait. Pour Adriane, il s'agissait de la chose la plus sacrée du domaine. Aussi, lorsqu'il vit l'ombre de l'intrus s'apprêter à verser quelque chose sur les racines noueuses qui crevaient le sol, il rugit et bondit. Il ne sut pas vraiment ce qui le retint de
tuer sans poser de questions, d'abattre ses griffes sur la nuque offerte et d'éliminer la menace. L'instinct, peut-être. Pourtant, au lieu d'achever l'intrus sans sommation, il brida sa rage. Juste un peu. Il fondit sur l'homme qui ne s'y attendait pas. Projeté au sol, celui-ci chuta violemment dans un bruit d'étoffe froissée. L'individu émit un son étouffé. Quelque chose titilla la conscience d'Adriane, mais il l'ignora. Penché au-dessus de la silhouette affaissée, il gronda et s'avança encore plus. « Qui êtes-vous » éructa-t-il. « Que faites-vous dans ce domaine ?» Son regard fut attiré par la fiole que l'intrus avait laissée tomber lorsqu'il l'avait renversée. Un liquide transparent s'en écoula et, sitôt en contact avec le sol, fuma et creusa un large trou. Poison. Le monstre rugit et balaya le flacon. Fou de rage, il leva la patte et les griffes sortirent. Ce fut à cet instant que l'homme, à moitié sonné par la force de la bête, se reprit et se retourna. Il poussa un cri étouffé. Adriane hésita une infime seconde, une seconde suffisante. Un fin rayon de lune réussit à percer jusqu'à eux, et il la vit. Son intrus était en réalité une femme. Ses longs cheveux bruns, qu'il avait confondus avec la capuche de sa cape, s'éparpillaient autour d'elle comme une rivière sombre. Lorsque ses yeux d'un marron ambré se posèrent sur lui, un léger tremblement s'insinua au fond de sa poitrine. Cependant, la sensation disparut aussitôt, tandis que la fille ouvrit la bouche pour laisser échapper un hurlement de terreur. Adriane abattit sa main. Néanmoins, au lieu de la transpercer comme il en avait eu l'intention, il l'empoigna violemment et l'amena aussi près que possible de son visage. L'intruse cessa de crier. Un bon point pour elle. Vous avez voulu l'empoisonner. J'exige de savoir qui vous êtes. Les yeux écarquillés, la femme le dévisagea sans répondre, en état de choc. Adriane gronda et elle devint aussi comme une statue de sel entre ses mains. Il perdit patience. D'un geste déterminé, il la jeta sans délicatesse sur son épaule et courut aussi vite qu'il le pouvait. Secouée par les bonds prodigieux de la bête, Miliane reprit ses esprits. Morte de peur, elle se débattit. « Lâchez-moi ! Reposez-moi ou je hurle !» Personne ne lui répondit. Il lui fallut un moment pour admettre ce qu'elle avait vu et ce qui la portait en ce moment même. Mel se demanda un instant si elle était folle de vouloir discuter avec une bête, puis se souvint que cette même créature lui avait elle-même parlé, ou plutôt hurlé dessus. Cette histoire était totalement dingue. Elle avait l'impression de s'être jetée d'une falaise et d'être toujours en chute libre, sans personne pour la rattraper. Mais après tout, Méliane avait bien été sauvée par une ondine peu de temps auparavant, dans un cas similaire. Pourquoi donc s'inquiéter de l'existence d'une bête qui parle ? Mais elle réprima un cri hystérique. Peut-être était-elle en train de rêver ? Amusant, mais ce n'était pas l'impression que cela donnait. La jeune femme arrêta de se débattre. Autant essayer de déplacer une montagne. La force de la bête était surhumaine, et sans son accord, elle ne pouvait même pas espérer bouger d'un pouce. Elle n'était pas vraiment brutale. Mais Yann avait vu ses griffes d'assez près pour savoir qu'elle pourrait à cet instant s'en servir pour les lui planter dans la peau. Non. Il se contentait de la maintenir sans se préoccuper de son confort. Étrangement, sa fourrure était aussi douce qu'entre sa peau. Le contact avec son corps massif n'amortit pourtant pas les secousses qu'elle subissait à être ballottée ainsi dans tous les sens. Mel serra les dents en retenant une grimace. Elle allait avoir des bleus. Néanmoins, vu la situation catastrophique dans laquelle il était, les hématomes sembleraient un moindre mal. Aussi, ses paupières se fermèrent pour l'empêcher de défaillir. Pourquoi était-elle encore vivante ? Mais Yann ne pouvait même pas répondre à cette simple question. Même si pour le coup, cela l'arrangeait bien. Elle avait vu le désir de meurtre dans les yeux de la bête. Seulement, au dernier moment, elle avait changé d'avis. Et comment était-ce seulement possible que ce monstre ait une conscience ? Lui avait-il bien parlé ? Elle n'avait pas rêvé et essaya de s'en convaincre. Parce qu'elle avait l'impression que quoi qu'elle fasse, sa vie venait donc de tomber entre les mains de cette bête ou de celui qui l'a contrôlée. Et elle avait comme le sentiment, le ventre noué, que son existence ne tenait plus qu'à un fil. Voilà. Merci. Ça me donne envie de le relire tout de suite. voilà. Non, j'aime bien cette scène de rencontre, elle est tellement parlante. Mais déjà, oui. Je trouve. Marine, tu es d'accord? Oui, c'est fracassante hein, pour le coup. Tout à fait. Et il ne l'attendait pas, il ne l'avait pas vraiment prévu. Pardon. Mais ça, c'est tout au long de l'histoire, finalement, il ne l'a jamais prévu.
Ça lui tombe dessus, le pauvre. C'est ça. Et en plus, elle a aussi un sacré caractère. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'attendais les joutes verbales avec une grande impatience à chaque fois. Oui. J'ai le passage sur l'augmentation des salaires des employés du château qui m'a beaucoup fait rire. Ouais. Il était génial. Ah, j'avoue que je me suis bien amusée à l'écrire celle-là. Ouais, franchement, elle était top. Mais je l'entendais, en plus, je l'entendais dans ma tête, et là, j'ai dit non, ouais. C'est pas possible, il faut absolument que je l'écrive. Mais c'est vrai que j'aimais bien aussi, justement, Mélienne, elle a cette force qui manquait parfois à Belle, justement, dans le Disney, ouais. Je trouve. Elle a pas cette force-là, elle est bien plus douce, bien plus passive, bien plus. Voilà. Mm. Elle reste forte, mais moins, quoi. Alors que Mélienne, elle laisse pas passer. Rien du tout. Non, pas vraiment. Même si face à elle, elle a un grand machin de 2 mètres avec de la fourrure et des crocs. J'ai pas peur, je vous dis que j'ai pas peur. C'est pas grave. C'est ça, bon, je suis morte de peur, mais c'est pas grave, on va pas le montrer. C'est ça. Et ça, c'est à chaque fois. Et elle est dans une situation incroyable et elle est en mode, bon, ne montre pas que j'ai peur, mais j'ai peur. C'est incroyable. Il y a Alexane qui demande, est-ce que la maison d'édition t'a demandé des modifications sur le fond? Et si oui, as-tu négocié pour conserver certains passages auxquels tu tenais absolument? Bonne question. Alors, attendez. Laissez-moi faire travailler ma mémoire de poisson rouge. Alors, oui. Dans le sens où il y a eu énormément de corrections sur ce roman-là. Mais pas dans le sens où on l'entend, c'est des corrections éditoriales classiques. Vraiment, la maison d'édition a gardé vraiment du début à la fin toute la trame, sauf à haut de détails, mais je ne peux pas lui en vouloir parce que j'avais créé quelques grosses incohérences. Voilà, j'entends encore Marion m'appelant me demandant « Tu sais où tu es allée à ce moment-là » Non. Elle me dit, ça se voit. Bon, ok, on va rectifier. Non, franchement, voilà, ça c'est nos deux anecdotes et elle s'en souvient. Je pense qu'il y en aurait toute une flopée qu'elle pourrait ressortir. Là, elle peut ressortir les dossiers sans problème. Mais non, vraiment pour le coup, il a été gardé tel quel. Il a juste été poli parce qu'il était plein d'aspérité. Voilà. Et je crois que je sais pas si j'ai répondu à toute la question en fait. Il y a peut-être, oui, en gros, t'as pas eu à te battre pour garder vraiment une scène à laquelle tu tenais absolument et qu'elle voulait virer, par exemple. Non, elle a tout gardé. Et merci au secours parce que sinon j'aurais pleuré. Mais non, tout a été gardé. Pour le coup, ça, je suis vraiment contente. Et ce qui est hyper, hyper appréciable dans cette maison d'édition, c'est que le travail est d'une qualité que j'ai rarement vue autre part, pour le coup. Que ce soit le livre objet en lui-même, mais les corrections éditoriales aussi, en tant qu'auteur, c'est hyper agréable d'être dans cette maison d'édition-là. Je pense que si Marion est là, qu'elle ferme ses oreilles parce que ses chevilles vont gonfler, mais c'est pas grave, je pense très sincèrement. C'est une maison d'édition où je n'ai jamais regretté, pas une seule seconde depuis que j'ai signé chez elle. Le travail est incroyable, de qualité. On a de l'écoute, chaque roman est coucouné. Et enfin voilà quoi, c'est pour le coup, on est comme à la maison et c'est une vraie maison pour le coup. Chaque roman a son moment, son espace. Oui, et ça c'est juste magnifique. En tant que lecteur, je trouve que ça se sent. Que chez Plume Blanche, vous êtes, j'allais dire, vous êtes bien. Enfin, en tant que lecteur, enfin, ça se voit. Les objets, effectivement, en eux-mêmes, ils sont. Oui. On voit qu'il y a du soin. On voit qu'il y a du travail. Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens par rapport à Plume Blanche. Ouais. Enfin, voilà. Je trouve que ça transpire. C'est pas toujours le cas dans d'autres maisons d'édition, mais là, on sent vraiment que les auteurs qui sont chez eux, ils ont l'air d'y être bien, en tout cas. Je confirme. Non, c'est vrai que c'est... comme je vous disais, pas une seule seconde, j'ai regretté et ça continuera comme ça. Sincèrement, vraiment.
Puis la qualité aussi de chez Plume Blanche, c'est que Marion engage des vrais. Donc Marion, qui est éditrice, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas, engage de véritables illustrateurs aussi pour les couvertures. Ça, c'est. Ouais. Je tiens quand même à le souligner. Et elle engage des illustrateurs et des commandes des couvertures qui sont vraiment liées à l'univers oui. de nos romans. Mmh. Des fois même des petits détails que le lecteur ou la lectrice ne discerne pas forcément en premier lieu. Et que en fait on comprend la couverture parfois quand on a fini le bouquin. Ouais. Et ça c'est, je trouve ah, ça c'est chouette. Et concernant la couverture, pour celles qui ont vu le stand Plus Blanche, voilà. Oui. Je peux tous les sortir si vous voulez. Ouais, moi j'en ai pas mal aussi, ouais. Oui, moi aussi. Ma grande bibliothèque, je les ai tous aussi, donc. Et d'ailleurs, concernant l'objet livre en lui-même, est-ce que tu as pu donner ton avis ou pas du tout? Ou est-ce qu'on te fait des propositions? Enfin, est-ce que c'est collégial ou Alors. Bonne question. Je n'avais pas forcément d'idée en fait de la couverture. La maison d'édition décide des couvertures, mais il y a un vrai échange, c'est-à-dire que elle va pas faire une couverture et si on dit direct que ça nous plaît pas, non. Moi, je sais que j'ai vu pratiquement toutes les étapes de cette couverture, j'ai validé. Mais de tous les cas, c'est un peu bête à dire, mais je pense sincèrement, je pouvais fermer les yeux et sauter de la falaise. Je faisais confiance à la maison d'édition à 100%, surtout que j'ai vu toutes les couvertures qui avaient été réalisées avant le mien. Donc, voilà. Et surtout, quand Marion m'a dit qui serait mon illustratrice, voilà, j'ai dit, carte blanche, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, bah oui. J'ai Anna Dittmann, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Et effectivement, elle m'a fait une couverture juste magnifique. J'en suis toujours aussi amoureuse plus d'un an après. Voilà. Bah, tu peux. Elle est dans mon fond d'écran d'ordinateur d'ailleurs. Ah non, elle est sublime. Elle est magnifique. Tout à fait. Elle attire tout de suite l'œil. Oui. Le but de la couverture finalement. Ah bah, de toute façon, le stand Plume Blanche, il y aura forcément une couverture qui vous fera vous arrêter. Hein. C'est vrai. Mais je pense que c'est important justement quand tu as une maison d'édition un peu plus de taille moyenne, je dirais, justement de soigner tes couvertures, de soigner ce contenant, en fait. Le contenu aussi, évidemment, parce qu'après, tu ne peux pas être déçu derrière la couverture, parce que sinon, c'est compliqué, mais il faut déjà attirer l'œil, quoi. Et là, c'est carrément réussi. Oui. C'est clair. Je me souviens que je l'ai acheté à sa sortie, quand même. Il adore. Moi, je l'ai eu dans le pack. Je l'ai eu dans le pack l'année d'avant. Ah oui, ah oui. Toi, t'es pire que moi, en fait. Pour une fois. Mais je me souviens, j'avais vu la couverture et vraiment, qui est-ce qui me l'avait fait découvrir? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais quelqu'un m'avait envoyé la couverture, m'avait dit, tiens, c'est pour toi. Et je crois que j'ai lu le début du résumé et je l'ai précommandé ou un truc comme ça. J'ai pas cherché. Ok. Oui, c'est bon. Et je me demande si c'était pas pendant nos clubs de lecture avec Stéphanie, justement, avec Lully, mais en vrai. Je me demande. Peut-être. C'était je pense. Ça me dit quelque chose, ouais. Je me demande si tu le dis. Je me demande si j'avais pas montré la photo sur. Mais ouais, je me demande si j'avais pas montré la photo sur mon téléphone en disant regardez, je crois que ça va être une réécriture de La Belle et la Bête. ça a l'air magnifique. Je crois que c'était moi. Mais je crois que c'est toi. Oui. Non coupable, là. Je crois. Hein. J'ai eu un gros flashback en me mettant. Oui, oui. Au moment où tu le disais, je réfléchissais. Je me disais, mais où est-ce que je l'ai vu, moi? Ah, mais je crois que c'était moi. Je crois que c'est moi. Alors, pour Philippe, on a un peu répondu à la question tout à l'heure. Globalement, il va y avoir un livre dans le même univers. On va dire ça. Ça marche. Et on l'attend du coup avec impatience. Non, on lui met la pression. Allons-y. De la pression gentille et bienveillante, hein, mais quand même. C'est toujours gentil et bienveillant. Attends, la couverture a été révélée? C'est une récréation de la petite sirène, Murmure de l'océan. Voilà. Il sortira en juillet 2022. C'est bon. Rien que l'année prochaine. C'est bien. J'en suis bientôt sortie.
Il va falloir qu'on achète oui, le pack. Oui, 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 vous inquiétez pas, oui, les cases vont terminer, les dans les clous. Non, on a dit qu'on allait à Mons. Aussi. On va tous à Mons, hein, on va tous à Mons. Ah oui, on va aller à Mons, alors. Pas le choix. C'est quand? C'est en novembre. Ok. Ils n'ont pas annoncé le week-end encore, mais en général, c'est soit le deuxième, soit le troisième week-end de Mons. Je crois que ça a annoncé sur le 20-21 novembre, un truc comme ça. Ouais, j'ai pas suivi, là. Ah oui, la couverture, elle est méga canon. Et pour répondre un peu plus loin, du coup, à la question, il y aura aussi un tome 3, normalement, de prévu. Oh. J'étais sage. Du coup, il y a un tome 2, on va chercher tous les clins d'œil. Si vous arrivez à les deviner, voilà. Moi, on sait que c'est pas encore vraiment vraiment terminé. Moi, ça me rassure, ça me va. Je me sens moins vite que cet après-midi. Bah, moi, c'est surtout que ça répond à mes questions parce qu'il y a plein de passages où j'étais, mais c'est pas possible qu'on ait que ça comme info. Ou mais pourquoi est-ce qu'on a rencontré ce personnage? Pourquoi est-ce qu'on nous le présente autant alors qu'il sert à rien? Oui, que ça ouvre une intrigue et que ça la refait que ça ouvre. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ouvre une gigantesque arche, porte, qu'il y a une grande allée et qu'on va nulle part? Et ça s'arrête là. Je suis contente de savoir que je vais pouvoir parcourir l'allée et savoir ce qu'il y a au bout. Alors, c'est promis, je n'avais pas perdu la boule, pas encore, hein, mais... Puis de toute façon, je pense que en fait, Marion Guette... Je l'ai vraiment créé, effectivement, en laissant des ouvertures. Après, finalement, tout ce qui concerne l'histoire de la bête Emilienne, je trouvais que toutes les portes étaient, par contre, fermées. Ouais. On a répondu à tout à la fin. De ce côté-là. Pas sur tout l'univers. Rose éternelle est vraiment finie. Ouais. Est vraiment fini, ça peut être. Rose éternelle est vraiment finie. C'est-à-dire qu'il peut être lu tout seul et s'arrêter là malgré effectivement les quelques portes ouvertes que j'ai pu laisser sur certains personnages et sur une suite potentielle. Mais l'histoire de Rose éternelle, elle est terminée. Donc tout lecteur ou lectrice qui veut s'arrêter là, potentiellement peut s'arrêter là. Et tout lecteur ou lectrice qui veut commencer avec Murmure de l'océan, il peut. Voilà, c'est possible. C'est mieux, effectivement, de lire dans l'ordre, de lire Rose éternelle et ensuite Murmure de l'océan, parce que c'est quand même plus chouette de les avoir dans l'ordre. Mais concrètement, en fait, on peut prendre Murmure de l'océan et le lire et ne pas avoir lu Rose éternelle. Voilà. C'est bon à savoir. J'ai voulu vraiment chaque tome indépendant, mais qui sont liés avec une trame principale. Voilà, qui lira les trois. Celui qui arrive à terminer Rose éternelle, celui qui arrive à terminer Rose éternelle sans avoir envie de lire la suite, il est vraiment fort. Ouais. Je rêve. Tout à fait. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai cherché un peu quelques chroniques comme ça sur Internet. Et ben, j'en ai même pas trouvé du tout d'ailleurs de négative. Enfin, j'ai trouvé des gens qui avaient des points qui leur avaient moins plu. Mais vraiment une chronique négative, quelqu'un qui n'avait pas aimé du tout, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Franchement, j'ai vu que des chroniques positives, voire très, 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 très positives jusqu'au coup de cœur. Enfin, bon, c'est amplement mérité, hein, moi, je trouve. Mais c'est vrai que j'ai pas vu de choses vraiment catastrophiques, quoi. Ce qui n'est pas le cas de tous les romans, quand même. Hein. Mais là, franchement... Non, c'est vrai que je suis très très heureuse pour ça. Vraiment, pour le coup, je stressais beaucoup. Mais de toute façon, chaque sortie est un stress hein, pour l'auteur en question. Je crois que tous mes amis que je connais pourront dire le contraire, ne pourront pas dire le contraire, ça c'est sûr. Mais ouais, non, je suis immensément heureuse de son parcours à ce moment-là. Et puis voilà, l'aventure, elle n'est pas terminée, ça c'est sûr. Ben non, parce qu'au final, en plus, il est sorti. Quelle année en 2019 je crois que j'ai sorti.
Avril 2020, sa sortie officielle était en avril 2020. Ouais. Et en fait, c'est juste qu'il est sorti en avant-première à Mons en novembre 2019. Donc, tous ceux et toutes celles qui sont allés à Mons et qui l'ont acheté à Mons, effectivement, l'ont eu dès 2019. Mais sa sortie officielle, c'était le 7 ou 8 avril 2020. Il est sorti en plein confinement, en fait, lui. Ah oui, c'est vrai, t'étais la sortie du confinement. Ouais, ça l'empêche pas de bien marcher. J'ai toujours eu beaucoup de chance, tu le sais très bien. Oui, c'est vrai. Pourquoi je me pose la question? Il sort quand le prochain je déjà sais pas, tu sais. Savoir quand est-ce qu'on va être confiné. Oh non, pas de blague, hein, parce que là, ce sera pour juillet 2022, donc concrètement. Ouais, non, là, j'espère pas. Ah ouais, non. Non, ouais, non. Oui, c'est pas ce sera les vacances, ouais, on sera pas confiné. Jamais confiné pendant les vacances. Est-ce un projet sur le long terme de refaire l'écriture des contes de fées? J'ai prévu 3 tomes. Voilà, j'ai prévu 3 tomes. Je ne vois pas plus loin que ces 3 tomes pour l'instant. Après, me connaissant, ça peut changer du jour au lendemain, hein, mais il faut vraiment que j'ai l'illumination. Le troisième, j'ai eu l'illumination dans ma douche, vous voyez, donc j'ai laissé des traces de pieds nus là, sur le parquet parce qu'il fallait absolument que je ressorte pour écrire quelque chose, sinon j'allais oublier l'idée. Mais la douche et la voiture, c'est des endroits d'inspiration magnifiques. Hein. Ouais, voilà. Non, enfin, j'ai pas prévu plus de réécriture que ça parce que j'ai bien d'autres projets dans ma tête et que j'espère pouvoir un jour concrétiser. Et voilà, j'ai besoin aussi de changer un petit peu d'univers. Donc, pour l'instant, c'est 3 tomes de prévu, mais pourquoi pas. Après, je suis pas fermée du tout à l'idée, hein, mais il faut vraiment que ce soit spontané, il faut que ça vienne, tout seul. Sinon, vous allez avoir du gros cacaboudin à l'intérieur des pages, et c'est pas le but. Ne jamais écrire histoire d'écrire. Moi, ça me rassure parce que j'ai commencé ce tome-là, on me disait c'est peut-être un one-shot, en fait, j'en savais rien. Et du coup, je me disais, mais un tel univers pour un seul livre, mais on n'a pas tout exploré. Et du coup, mais c'est frustrant. Mais oui, ça. Je suis très contente, moi. Non, mais c'est pas. Moi, mes seules réserves en finition, mais je veux en savoir plus sur cet univers. C'est pas fini, là. C'est ça, Donc voilà, maintenant que la réserve est levée avec l'annonce d'une suite et d'une autre suite après, tout va bien. Ouais, c'est ça, c'est ben là on était là, mais moi je vais aller là, C'est on visiter tous les coins. On fait du tourisme. Ça, et ben vous allez visiter le royaume de Gael du coup pour la prochaine prochaine destination, mes chers. Ouais. Parfait. Oui. Tout ça, on reprend tous la carte. Allez, alors on va au sud-est. De l'autre côté de l'océan. Ah, j'ai trouvé. Par contre, il y en a 4. Hein. Je suis désolée, il n'y en a pas que 3. Hein. Les royaumes. J'avoue. Bien joué. Oui, mais on va dire que j'ai mis en avant vite, vite quand même dans Rose Éternelle. Ouais. Voilà. Oui. Ça va être sa vitrine. Oui, c'est vrai. Oui. Puis d'accord. On va sûrement le revoir, du coup, ce royaume. Peut-être. T'essayes de grappiller des infos, toi. Il y en aura 3, Alexane. Et t'as interdiction de me faire tes yeux de coquère. Moi ? Parce que les yeux de coquère, je ne sais pas y résister. Oui. Oh bah, tu sais qu'on passe un week-end côte à côte la semaine prochaine. Je sais, de ma vie, pourquoi j'anticipe. Il y aura Marine avec moi. On sera 2 à te faire les yeux de coquère. Moi, ça dépend, je veux ma délicatesse. Il va me falloir de la force. Pitié, donnez-moi de la force. Elle va mettre Justine entre nous. Non, mais en fait, vous faites bien de me le rappeler. Il faut que je retourne à Cultura. Il faut que j'achète mes stylos de dédicace. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas servi. Ah. Oui, Justine, entre nous, ce sera bien. Ça va être mon bouclier. Le garde quoi? Le rempart. C'est ça. Ça, Nat, on y a répondu en début de live. N'hésite pas à regarder le replay tout à l'heure.
pour l'idée du roman. Est-ce que j'ai loupé des questions ou pas? Il y avait une question sur l'activité d'Ophélie. Ouais. Est-ce que auteur est ton métier ou est-ce que tu fais autre chose à côté de l'écriture? Alors, déjà, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des réponses en face, déjà, de base. Et ce n'est pas une question bête du tout. Non, ce n'est pas mon métier. Je crois que comme tout écrivain, comme tout auteur, j'aimerais bien. Voilà, mais je n'en vis pas. Non, j'ai un métier à côté, 35 heures, voire plus parfois, et qui me prend déjà pas mal de temps la semaine. Et effectivement, on va dire que j'enfile ma casquette d'auteur en rentrant chez moi, en arrivant le soir. Voilà. Ou en prenant tes douches, apparemment. Oui, aussi. Est-ce qu'il t'arrive de relire certains passages, voire le livre entier? Et si oui, portes-tu un regard plutôt critique ou bienveillant sur tes écrits? La question qui tue. Alors, comment vous dire? Je dirais un an et demi, voire deux ans après, j'apprécie de relire certains passages. J'aime mes romans, hein, mais quand on est passé par toute la phase déjà, écriture, relecture, correction, des milliers de corrections derrière, la correction éditoriale, relecture à nouveau. En fait, on a envie de balancer le roman par la fenêtre et au PC avec. Donc, oui, donc voilà. Donc non, c'est très compliqué pour moi de rouvrir un bouquin que j'ai écrit avant un long moment, je dois dire, pour être honnête. Et je suis très, 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 très critique envers moi-même et envers mes propres romans. Donc, je vais essayer de m'améliorer avec moi-même par rapport à ça, parce que ça me pourrit un peu la vie parfois quand je sors un roman. Mais oui, non, j'essaie d'apprendre à être bienveillante envers moi-même, parce que j'aime mes romans comme ils sont, mais après coup, là, on dit, je vois tous les défauts, donc c'est absolument horrible, et c'est pour ça, du coup, que je ne les relis pas. J'en suis incapable. J'ai envie de les refermer en disant, oh là là, je vois tout, c'est horrible, ça c'est horrible, ça c'est horrible. Ah, ça c'est bien, mais non, ça c'est horrible. Mais voilà. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Non, mais c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Oui. Voir, c'est très bien. C'est ça. Mmh. Ouais, mais moi, du coup, moi, je me suis pas dit c'est horrible. Après, hein. Les chroniques. Moi, je me suis pas dit c'est horrible. Non, mais c'est. Dans ma lecture. C'était surtout l'écoute de l'audio, en fait, qui. Ouais. J'entendais quelqu'un d'autre raconter mon histoire, en fait. Ça a été génial. Ouais. Mais j'ai vu tous les défauts. Tous les défauts. Je voyais, enfin, je me suis même vue lever les yeux au ciel sur ma propre écriture en me disant, ouais, non, too much. Donc, c'était. Mais en fait, c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'en fait, toujours avoir de l'esprit critique envers ce qu'on fait, dans une certaine limite aussi, évidemment, ça sert à rien de se mettre dans un trou à souris, mais nous permet de garder, je pense, hein, ça c'est mon avis, mais qui est partagé par beaucoup de personnes que je connais qui écrivent, ça permet de garder l'humilité aussi, c'est très très important, et ça nous permet surtout de nous améliorer. Parce que si on ne cherchait pas toujours et avant tout cette perfection qu'on n'atteindra jamais, parce que rien n'est parfait et une histoire encore moins, on ne s'améliorerait pas et puis on stagnerait. J'ose espérer, j'ose croire en fait qu'en écrivant Murmures de l'océan, j'ai encore progressé par rapport aux éternels. Et ça, j'en suis vraiment fière. Enfin, c'est ça aussi qui nous permet de nous dépasser nous-mêmes. Donc, je préfère être toujours critique, mais rester effectivement, gagner un peu de bienveillance envers moi-même. Si tu veux avoir des retours sur Murmures de l'océan, tu sais, on est cinq. Non, il n'y a pas de soucis. C'était bien essayé. On est là pour un service, hein. C'est ça. Et j'en doute pas un seul instant. Alors, non, parce qu'il n'est pas encore rendu, là, hein, tu vois. Donc enfin, il est rendu une première fois, mais la deuxième fois, il faut que je le rende. Je suis très, très en retard, d'accord. Je suis très, très en retard. Oh là là, tu vas te faire gronder. C'est déjà fait. J'ai eu droit à des coups de fouet. Tu m'étonnes. C'était terrible. Je suis traumatisée. Non, bah dis donc.
Non. Bah, parce qu'il faut donc, savoir que... Non, non, mais, ouais. Heureusement qu'au début, elle a dit qu'ils étaient bien traités. Hein. Oui, c'est ça. Non, voilà. En fait, il faut savoir que Plume Blanche lance les précommandes des packs donc pour toutes les sorties de l'année suivante. Les précommandes sont lancées en septembre. Et donc, on peut précommander à ce moment-là le pack avec toutes les sorties de l'année d'après. Et les packs sont envoyés en général à partir de Mons, donc mi-novembre, dans ces eaux-là. Donc, en fait, ça veut dire que tous les romans de l'année suivante sont bouclés. Et les impressions sont lancées en septembre. Donc, tous les romans de l'année suivante sont bookés en septembre. Donc là, en fait, Ophélie... Voilà, Ophélie, c'est la dernière. Je suis une des dernières, effectivement. J'en suis désolée. Mais ouais, je suis une des dernières. Quasiment tout 2022 est booké du côté de Plume Blanche. Pratiquement. J'ai deux copines qui étaient la tête sous l'eau aussi et... Je pense très fort avec à elles aussi parce qu'elles en ont bavé. Vous savoir les mauvais élèves. L'année a été compliquée. Voilà. Je trouve ça incroyable que toute l'année soit bientôt bookée en fait pour un éditeur. Je trouve c'est ça vraiment. Toute l'année 2022. Mais bien sûr, je trouve ça incroyable. Quasi à la juste après la moitié. Le planning 2023 est déjà bookée aussi. Ouais. Mais Marion, elle fait un travail de dingue. Elle fait un travail de dingue, Marion. Ah, franchement, je ne sais pas si elle arrive à dormir la nuit. Elle a toute mon admiration. C'est incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Je vais encore me prendre. Là, je sais que le planning 2023 est déjà bouclé et une partie du 2024 aussi. Là, les pages sont chères. Ah oui. Mais c'est gage de qualité aussi parce qu'elle bichonne chaque roman. Oui. Donc, elle veut sortir qu'une seule sortie par mois, justement, pour continuer à ce que ce soit gage de qualité et gage de suivi et de mise en avant aussi à chaque sortie. Bah, c'est ça. T'as pas la même mise en avant quand t'as un titre par mois que quand t'en as trois par semaine, quoi. Ça, c'est clair. Oui, c'est sûr. C'est clair. On a La Fée Enchantée qui demande ton parcours. Elle a cru comprendre que c'était pas ton premier roman. Est-ce que tu en as écrit d'autres ? Je ne peux pas les sortir, ils sont dans la bibliothèque. Pas de soucis. Non, mais t'inquiète pas, bon, ils ne sont pas très très loin. Mais... Alors, mon parcours. À l'âge de 6 ans, je lisais en cachette sous mes couvertures, au lieu de faire la sieste, ça compte ou pas ? Donc déjà, j'étais fichue pour ce pauvre moment, déjà en termes de lecture. Voilà. Mon père serait là et dira, le jour où tu as décrit ton premier mot, c'était Peugeot sur la voiture, on a compris que c'était fichu. D'accord. Voilà, donc j'ai toujours été une très 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 grande lectrice. Je dévore les bouquins plus que je les lis d'ailleurs. Et donc ça a été mon parcours. Et de toute façon, encore maintenant, ma bibliothèque de 2 mètres sur 2,37 mètres pourra dire qu'elle est d'accord. Mais en fait, j'étais arrivée au milieu du lycée. Alors je suis rentrée dans ma période manga. Et je lisais énormément de scans de manga. Et à un moment donné, je suis tombée sur des superbes images, les couleurs, le graphisme, tout ça, c'était magnifique. Et j'ai cherché l'histoire pendant au moins 3 ou 4 jours, et je ne l'ai pas trouvée. C'était marqué toujours Yukirin, en fait, dans le coin des images. Donc j'ai cherché pendant 3 jours, Yukirin, histoire, personnage, que dalle. J'ai fini par comprendre que c'était le pseudo de l'illustratrice, et qu'il n'y avait pas d'histoire. C'était des superbes filles, voilà, avec des ailes ailées et tout. Enfin, en fait, moi, pendant 3 ou 4 jours, j'ai imaginé l'univers. Je cherchais vraiment l'histoire. Encore une fois, sur un coup de frustration, vu que je ne l'ai pas eu, j'ai fini par l'écrire. Voilà. Et c'est comme ça qu'est née La Lumière d'Evana, donc qui est ma première trilogie. Donc, j'ai commencé, j'avais 16 ans. Donc, j'ai écrit de mes 16 à 20 ans, peut-être. Non, 21. Et que j'ai sorti du coup dans une première maison d'édition qui était les éditions Sharon Kena. Le troisième tome là est sorti en 2019 si je ne m'abuse. Et en fait j'ai repris mes droits d'auteur sur cette trilogie là l'année dernière. Voilà, parce que je remercie encore une fois cette maison d'édition de m'avoir ouvert la porte de la maison d'édition. Mais j'avais besoin de reprendre cette trilogie et d'en faire autre chose. Il y a beaucoup de brosses aussi parce que je l'ai écrit, j'avais 16 ans et elle est parfaitement imparfaite. Voilà. Donc, si on veut un quatrième tome, il faut une frustration en rapport avec un quatrième tome. Très bien. D'accord. On va faire en sorte de produire une très mauvaise adaptation d'un Disney, comme ça. Ouais. On aura un quatrième tome.
Non, non, n'exagérons pas. Elle va regretter d'avoir accepté l'invitation. On va te frustrer, t'inquiète. Au secours. J'y travaille, je prépare non, ça non, pour la semaine prochaine. Tu veux de l'aide? Ouais. Réunion après, Marie. On peut préparer ça vendredi soir. Ouais, réunion après. Je vais peut-être me faire porter pâle pour la semaine prochaine. Voilà, voilà. Non, je vais mettre des encore possible, les annulations, s'il vous plaît. Non, promis, je viens, je serai là en personne. Même si je dois rouler à côté de la voiture pour arriver. Parle pas trop vite, hein, parce que avec tout ce qui t'arrive quand tu te déplaces en salon. Audrey, chut, il y a des choses à ne pas dire. Audrey, nous sommes toujours en live. Nous sommes toujours en live. Arrête, arrête. D'où est venue l'idée du titre Rose éternelle? Est-ce que ça a été une évidence ou est-ce que ça a découlé d'une longue recherche? Bah, moi, Audrey, elle s'est figée, donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, elle n'est pas figée, c'est bon. Elle est là. Alors, Rose, je suis obligée de rire parce que Rose éternelle. C'est bon, je l'ai retrouvée. Rose éternelle, eh ben, en fait, je l'ai pondue comme ça et j'avais mis à côté provisoire. Voilà. Et au final, il n'était pas provisoire, il est devenu définitif. Rose éternelle, donc, provisoire. Beaucoup réfléchi. C'est surtout pour Murmure de l'océan que j'ai cassé la tête. Ouais. C'est ça. Mais en même temps, il était censé devenir rien du tout, ce roman-là, de base, donc je ne me suis pas cassé la tête. Non, mais bon, comme quoi, hein, des fois, il suffit de... Donc, non, non, voilà, c'est plus Murmure d'océan qui m'a posé problème pour le trouver parce que de base, il devait s'appeler Cœur océan. Et en fait, le titre était déjà pris par une série a priori sur justement les sirènes. Je ne me souviens plus trop. Donc, j'ai dû le changer. J'ai loupé une question. Je vais me trouver. Ah. Sur les personnages secondaires, est-ce qu'ils sont les mêmes que dans le Disney? Ah oui, il y a Gaston plein de fois. Oui, sur plein de choses différentes. Lui, on l'a identifié, ouais. Il y a plusieurs Gaston, ouais. Il y a Gaston, il s'est dissocié. Il a explosé par son provisoire. Bien vu. J'aime le fait que ça soit en post-it rose aussi. Tu vois, oui, voilà, c'est encore plus dans le thème. Alors, à ma mort, un jour, cette fille aura ma mort. Toujours là pour faire des bêtises. C'est pour ça qu'on t'aime. D'ailleurs, donc, finalement, comment tu as construit tes personnages secondaires? Est-ce que tu es partie de, enfin, forcément des personnages du conte ou est-ce que tu t'es, t'as occulté ça et t'as fait ton propre truc? C'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. J'avais quand même pris certains traits de caractère, enfin, ou un seul, ou ne serait-ce qu'une infime de traits de caractère pour certains de mes personnages secondaires, où je savais dès le départ qu'ils seraient là, quel rôle ils auraient. Et en fait, à d'autres, j'ai pas du tout réfléchi. En fait, ils se sont imposés d'eux-mêmes. Voilà, ils ont débarqué dans la place en cognant à ma porte en disant bah ouais, mais nous, en fait, on existe aussi et on est là. Et du coup, bah parle de nous. Bon, bah écoutez, sinon, si je voulais pas avoir de migraine, il fallait que je leur réponde. C'est ça. Dans ma grande mansuétude. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange de tout pour le coup. Effectivement, certains, je savais qu'ils seraient là et d'autres, ils n'étaient pas prévus à l'histoire. Mais ils ont quand même débarqué. On a reconnu certains, ouais, c'est ça. Mais on a reconnu Gaston un peu explosé en plusieurs morceaux. Ouais, je l'ai trouvé dans deux personnages. Bravo. Bravo pour ça, parce que c'est exactement ça. La tasse est brisée, n'est-ce pas? Ah, il y a un chandelier à un moment donné aussi. Il y a après le chandelier et l'horloge. Pour moi, il y a vraiment un personnage qui a pour un moi, ouais, rôle. Ben, ouais.
de confident et de gestion qui sont un peu dans un personnage. Ah non, moi je parlais d'un vrai chandelier. À un moment, elle voilà. Ah oui, c'est un vrai chandelier. Et ça m'a dit, ah, c'est vrai, j'avais pas encore entendu en tant que perso, mais là, il est là en fait. Il est là quand même. Ne l'oublions pas. La rose. Oui, si peu, oui. Un petit peu quand même. L'armoire qui habille aussi. Ah oui. Oui. Qui est belle tenue. Ouais. C'est vrai que ça me replonge totalement dans l'univers de Zizio. Il y a la musique aussi, à la fois dans la plume et dans plusieurs scènes. Il y a plusieurs moments où il y a de la musique. Mmh. Oh, oui. J'ai eu la musique dans la tête toute la semaine, ne me parle plus d'elle. En 8 ans, c'est comment j'ai vu le mois. Ça fait 2 mois qu'on l'a dans la tête. Et que dire de moi, je l'ai eu dans plus d'un an dans la tête, parce que j'ai quasiment écrit que c'est son fond d'écriture. Non mais c'est trop ça, une certaine scène, je l'avais en boucle, voilà, dans la tête, j'avais la chanson derrière. Forcément. Allez, je prends l'enceinte Bluetooth la semaine prochaine. Si tu veux. Oui, il y a la tasse et sa maman d'une certaine manière. Ouais. La tasse, pour moi, elle est entre plusieurs enfants. Moi, il y a un petit peu de la tasse dans deux enfants, surtout. Oui, bah en fait, oui, on retrouve les marques de tous les personnages secondaires qu'on connaît, mais vraiment répartis entre les personnages secondaires du roman. Mais c'est j'ai adoré ce maman, jeu. Elle est dans deux personnages. Ouais. La maman Théière. T'as vraiment le côté maman englobant dans l'un et le côté confidence et réconfort dans l'autre. J'ai bon. Non, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, moi, j'ai bien aimé ce jeu là, de retrouver les personnages. Il y a un quiz à la fin. C'est trop ça. Dès que tu as un nouveau personnage, tu essayes de le caser quelque part. Bon, il y en a qui ne se cassent pas, hein, c'est tout. Ils sont nouveaux et c'est tout. Ouais, mais il y en a qui si tu arrives à les caser, il y en a six. Non, il y en a qui sont propres à l'univers. Ouais. Et parfois, tu vas très loin pour les caser quand même. C'est tout. Ah, parfois, il faut chercher. Il faut chercher. Et puis, même quand tu cherches, tu dis non, celui-là. Non. Non, finalement, non. C'est ça. Est-ce que tu écris des chansons, des dessins animés? Non, mais parce c'est que là, tu as sous l'océan dans la tête. C'est horrible. J'ai beaucoup écouté aussi avec les musiques du Disney. Or, des fois, je coupais avec des musiques qui n'avaient pas de paroles ni quoi que ce soit. Ça m'apaisait parce que sinon, j'allais tourner en rond sur les mêmes chansons. En fait, ça dépend des scènes. Clairement, enfin, ça dépend des scènes que j'écrivais. J'avais besoin d'une certaine ambiance pour écrire certaines scènes. Et je me suis même vue deux, trois fois avoir juste besoin de silence. Mais pas de bruit, rien du tout, parce que j'étais tellement concentrée dans ma scène. Là, il me fallait aucune nuisance, même un bruit de fond, c'était pas possible. Mais la plupart du temps, j'écris en musique aussi. Moi, je trouve que justement, retrouver cet univers dans les personnages, dans en effet la musique, etc. Et parfois, ça tenait à une phrase en plein milieu de la page. Et là, tu as le personnage du Disney, tu l'entends dans ta tête qui te crie « Si, si, c'est ça que j'ai dit, moi aussi. » Et t'es là, tu fais « Ah, mais oui, mais bien sûr. » Beaucoup de fois. C'est ça. Quand tu connais le Disney par cœur, d'un coup, ça te parle. Mais j'adorais faire des petits clins d'œil comme ça, effectivement. En fait, c'était une circonstance. Ils n'ont même pas été forcés. Enfin, c'est-à-dire que là, ils tombaient sous le sens. Tu dis, bah oui, bah voilà, de toute façon, c'est à ce moment-là qu'il fallait ce qu'on veut, quoi. Oui, on voyait bien que ce n'était pas surajouté pour faire un clin d'œil. C'était juste naturellement là, en fait. Tout à fait. Ça s'incrustait parfaitement, soit dans les dialogues, soit dans le récit. Ouais. Mais c'était justement drôle de retrouver ça. J'ai joué à ça avec les scènes aussi. J'en suis ravie. Les scènes clés. Non, mais je vous l'avais dit. Parler d'édition indépendante et être les meilleurs ennemis des pales. Oui, tu as très bien vendu sur Insta.
J'ai adoré ta mission et ton but, c'était magnifique. C'est ça. Je suis navrée vraiment, mais moi je suis de tout cœur avec vous parce que j'ai encore 50 bouquins dans ma palle aussi. Je suis désespérée. Ça va. Oula, ça va. J'écris à côté aussi à un moment donné, donc je peux pas non plus déborder. Moi aussi, malheureusement. Audrey, moi je suis pour ce bon moment. Marine aussi. Non, mais toi, Audrey, c'est fichu depuis longtemps. Ah oui. T'en as combien? 200 dans ta palle? Allez. Ouais, 250, j'approche. Moi, ça va, Billy? Ça va? On est bien. Tranquille. Tranquille. Nickel. Tranquille. Tout va bien. Pas de soucis. Oui, mais en même temps, Ophélie, dès qu'elle a terminé de bosser sur un roman, elle vous engloutit les romans à une vitesse. Ouais. Quand elle a ses frénésies de lecture, là, j'arrive pas sûr. je crois que j'en ai lu depuis janvier 60. Ouais. Voilà. Voilà. Le triple de moi. Depuis janvier. Ça va. Est-ce ça que va. Vous avez un petit mot à dire? Oui, après, quand je lâche le crayon, le monstre des lectures est de retour. Il te saisit, il t'emporte et ne te lâche plus. C'est ça. Moi, j'avais une petite question, éventuellement. pour Ophélie, bien sûr. est-ce que tu as lu une des écritures originales du conte? Et si oui, laquelle? Le conte original, enfin. Alors. Le conte original, oui, je l'ai lu. Par contre, c'était il y a vraiment longtemps et je ne saurais plus dire quand ni ce que j'ai pensé ce jour-là, en fait. Donc, je me souviens plus vraiment. J'ai surtout été basée sur le Disney, mais aussi au final sur le film de Vincent Cassel avec Vincent Cassel en 2014, qui se rapprochait beaucoup plus du conte original. Mais oui, le conte original, je l'ai lu, mais il y a fort longtemps. Voilà, D'accord, non, je demandais. Souvenir, parce... on va dire, plus qu'autre chose. Ouais, je demandais parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps que celui que j'avais lu n'était pas le seul, en fait, pour ça. Enfin, que donc, d'original, il y en avait. Façon, beaucoup de, voilà. de versions. C'est ça. Mm. Bon, c'est tout. et je ne saurais plus te dire, en fait, quelle était celle que j'ai lue, pour le coup. Ok. Ok. Et les contes de Disney sont basés sur les contes de base de Perrault, de, enfin voilà, les contes originaux sont horribles en fait de base. Oui. Mmh. Ah oui. C'est oui. pas des contes pour enfants. Oui. Ouais, non. Ah oui, ils sont très durs. Quand tu vois ce que les contes originaux sont devenus, tu dis waouh. Ah oui. Côté. C'est vrai, tout à fait. C'est surprenant d'ailleurs quand tu passes du Disney au conte original. Oui. Je pense qu'il vaut mieux faire un. Ce qui est hyper intéressant dans les Disney, c'est que. Ouais, non, c'est clair. Mais ce qui est hyper intéressant dans les Disney, c'est que peu importe l'âge, en fait, lequel on regarde un Disney, on n'a pas du tout le même point de vue. Quand t'es enfant et que tu regardes un Disney, t'as un point de vue hyper manichéen, t'as les gentils, t'as les méchants, t'as l'histoire un peu grossièrement, et puis plus tu les regardes avec un œil plus adulte, plus aiguisé, tu vois toutes les strates en fait des problèmes de société, des points de vue secondaires, des phrases à double sens, même des plans au fond là que t'avais jamais remarqué quand t'étais gamin, quoi. Des détails, c'est ça qui est génial aussi. Avec une esthétique. Ouais, tout à fait. Et puis tu apprends à apprécier des personnages qui pouvaient te faire peur, par exemple, quand tu étais plus petit. C'était vraiment effrayant. Oui, enfin, Bambi, je peux quand même pas le revoir, c'est pas possible. Non. C'est traumatisé par Bambi. C'est sûr. Ouais. Il reste cruel, Bambi. C'est horrible. Ou Rox et Rookie. Oui, c'était ma playlist YouTube, je sais pas pourquoi elle m'a mis sur les playlists Disney, je me pose la question, mais à un moment donné elle m'a sorti la scène de Rox et Rookie, de l'abandon de Rox dans la forêt par... Ah non, mais moi j'ai pleuré en 2 minutes comme au top chrono. Je l'avais pas vu depuis 15 ans.
Bah, c'est pas qu'à la base, finalement, La Belle et la Bête, elle interroge sur le syndrome de Stockholm, même dans la part des réécritures, finalement, tu restes sur ça. La Belle, elle est toujours prisonnière à un moment donné dans la plupart des réécritures, en tout cas que j'ai pu lire. Tu t'interroges quand même de base sur le syndrome de Stockholm, ça c'est sûr, sur l'enlèvement aussi. Après, zoophilie, il n'y a pas forcément jusque-là pour tout, mais ok. Pas pour tous. Ouais, ça je suis d'accord aussi. Blanche-Neige, c'est traumatisant. Ah non, mais je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Traumatisée par La Belle et la Bête. Mais pas le Disney, le film en noir et blanc. Oui. Que j'ai vu quand j'avais 7 ans. Ouais. Et je crois qu'il m'a fallu 6 ou 7 ans avant de regarder le dessin animé. Alors que je savais que Disney, a priori, ce serait mignon, hein, mais enfin, vraiment, le film en noir et blanc m'avait tellement effrayée, j'en ai fait des cauchemars pendant 7 jours après, que vraiment, le dessin animé, La Belle et la Bête, il m'a fallu du temps pour l'apprécier, quoi. Mais ouais, ça y est, d'accord. Triste maintenant. Ça y est. Ça a renforcé. Ça va mieux. Tout va bien. Ouais, moi, j'avais pas vu ce film-là avant de voir le Disney. Donc, non, La Belle et la Bête, c'est celui que je regardais pendant. Je me souviens, sur les vacances que je passais chez mes grands-parents, je pouvais le voir tous les jours pendant 15 jours. Tu sais. Ah oui, donc quand tu dis que tu le connais par cœur, c'est okay, le même. Ouais, vraiment. Vraiment. Non. Vraiment. Ah, mais moi c'était ma première tous les dialogues par cœur. Je peux vous dire le film entier. Ah ben voilà. Ouais. On écoute. C'est parti. Bonne séance. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, parfois il y a certaines phrases qui faisaient vraiment écho, mais tout de suite, tu sais. Et parfois c'était même juste le bout d'une phrase dans le Disney qui faisait écho et qui revenait après. À un moment donné, j'en ai vu une comme ça et je fais oui, je vois. La scène de la bibliothèque, par exemple. Ah oui, non, mais attendez, non, c'est un scandale. C'est scandaleux. On a attendu le chapitre 32. 32. Je leur ai dit tout à l'heure, je fais 32 chapitres. Vous n'y croyez plus. Je suis désolée. Moi non plus, j'y croyais plus d'ailleurs. Bon, bah, j'ai sauvé les meubles là, quand même. Non, mais justement, en fait, finalement, c'était mieux. Parce qu'en fait, je m'y attendais tellement plus que j'étais étonnée de la retrouver, cette scène-là, du coup. Je m'y attendais tellement plus qu'elle arrive que j'étais trop contente de la voir, même en chapitre 32. Même si je leur ai dit par message, c'est scandaleux, elle n'arrive que maintenant. Mais, mais en fait, c'était super bien parce que justement, je m'y attendais plus. Et alors que c'est une scène culte que t'attends vraiment à certains moments, et elle n'arrive pas, et elle n'arrive pas, et elle n'arrive pas, et à un moment donné, hop, elle arrive, mais tu ne l'attendais plus. Et c'est trop bien. Et elle est vraiment... Moi, ça m'a fait ça avec la scène de bataille sur les toits, un peu en hauteur, là. Ouais. Ah oui, sinon, j'avais pas fait le parallèle de ça, pour le coup. Après, j'en dirai pas plus, mais voilà, c'est des scènes comme ça qu'on retrouve, et pas forcément à l'endroit où on les attendait, et en fait, c'est très logique. Ouais, et pas sous la même forme aussi, du coup. C'est ça. Ouais. Mais on a le clin d'œil et ça suffit. À ce petit parallèle qui peut se faire, oui, tout à fait. Ah, ben voilà, on peut le regarder en boucle. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai envie de le regarder demain, je t'avoue. Alors, demain, elle relit le livre ou elle regarde le dessin animé. C'est journée de week-end, Belle et la Bête. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, que ce soit dans le chat ou ici? Est-ce qu'il y a un personnage que tu as particulièrement apprécié, créé, développé, construire? C'est une question très difficile, ça. C'est moche de me faire ça à 22h30. Non, tu lui demandes de choisir entre ses enfants. Tu lui demandes de choisir entre ses enfants. Non, mais je ne lui ai pas demandé lequel elle préfère, j'ai demandé lequel elle avait préféré créer. Oui. Je réfléchis, hein. Je réfléchis vraiment très très bien, c'est promis. J'ai beaucoup aimé Nicolas, en fait.
Alors, c'est peut-être pas celui à qui on s'attendrait le plus, mais j'ai adoré en fait écrire et créer le personnage de ce frère qui est parfois un boulet, qui est imparfait, mais qu'on est parfait dans l'amour en fait qu'il a envers ses sœurs et envers Méliane. Cette notion de loyauté envers et contre tout, cette notion d'amour qui fallait le foutre dans les situations, voilà, enfin, je vais pas spoiler, mais voilà, quand on lit le roman et puis qu'on croise le personnage de Nicolas, tu dis, attends, il en a fait des erreurs, il en a fait des boulettes quand même, mais malgré tout, moi je le trouve beau en fait dans cet amour qu'il a envers ses sœurs. Voilà. Donc c'est un personnage que j'ai particulièrement en fait aimé. Ouais. C'est vrai que c'est un personnage que sur le papier, on pourrait se dire, oui, bah, lui, on l'aime pas. Enfin, concrètement, à travers ses actes, et il est fait pour qu'on l'apprécie pas forcément. Mais en fait, dans sa réflexion et justement dans cet amour qu'il porte à ses sœurs derrière, c'est impossible de pas l'aimer. C'est ça. Ouais. Moi, je me suis pas posé la question, en effet. Ouais, c'est plutôt la sœur que j'ai eu du mal à apprécier au début. Ah oui, alors le père, dès le début. Ah non, mais. Elle est un peu plus difficile à aimer, Kathleen, quand même. Ah bah, elle porte bien le poids des deux sœurs qui sont portées sur. Bah, en fait, Kathleen, c'est un pur produit de l'époque, au final. Oui. Oui, tout à fait. Tu lui mettrais quand même bien une des gifles que certains. C'est ce que j'étais en train de dire. Ne vous inquiétez pas, les filles. Je lui en ai donné plus une dans ma tête aussi. Parce que certains, ils ne sont pas épargnés par les gifles quand même. Et elle, bon, tu lui en mettrais bien une quand même, tu vois, au milieu. Oui. Au milieu, parce que après, c'est bon, elle a sa dose. Ah non, mais elle m'a saoulée à un moment donné. Mais c'est bien parce que ça montre qu'elle te fait ressentir quelque chose, donc qu'elle est intéressante. Mais c'est vrai que c'est ça qui est fort. Hein. Dès le début, tu as envie de la secouer. En fait, tu as envie effectivement de lui mettre une ou deux gifles tout de suite. Mais c'est pas possible. Mais ouais, c'est vrai que dès le début, tu ressens tout de suite quelque chose contre elle, quoi. C'est pas, t'es pas neutre en fait. Tout de suite, tu dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a aucun personnage qui laisse indifférent. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Même ceux que tu vois pas beaucoup, d'ailleurs. Oui. Mais soit tu as envie de les baffer, soit tu as envie de les sourire. Ouais. Ah non, mais genre Liam, moi j'ai eu envie de lui faire un câlin pendant tout le bouquin. Mmh. Ouais. Oui. Ouais. Et oui. Mathilde. Mais au final, soit tu leur fais un câlin, il n'y a pas d'entre-deux. Je sais pas, moi Méliane, il y avait des moments où j'avais envie de la gifler et des moments où j'avais envie de lui dire non mais vas-y, ça va aller. Ouais, mais elle te laissait jamais au milieu en fait. Elle te laissait jamais au milieu neutre. Soit t'avais envie de l'embrasser, soit t'avais. Ouais. Elle est toujours dans une intensité en fait, Méliane. Vu qu'on a accès à ses pensées. Même si elle renvoie un visage neutre ou qu'on lit qu'elle renvoie un visage neutre, nous, on a accès à l'intensité et au feu qui couve sous le masque, en fait. Ouais. Mais c'est ça aussi qui est dans la narration, c'est que tu as accès aux pensées de plein de personnages, finalement. Tu ne pourrais pas faire une version Méliane et une version Adrienne. C'est pas possible, tu as les deux, là. Ouais. Et puis avec les personnages secondaires aussi, pour avoir toute la densité du passé, de l'environnement, de ce que chacun sait, de ce que chacun ne sait pas, de ce que le lecteur sait mais que les personnages ne savent pas, et inversement. Ouais, ça donne une certaine force au récit, tout ça. Ah. Une dernière question. Attention, cette série réécriture de... Enfin, vas-y. Ces réécritures de contes, en tout cas,
ces écritures de contes, je les voyais pas les écrire à la première personne. C'était pas possible pour moi dans ma tête, en fait. Donc, ouais. Parce que justement, j'avais besoin de qu'on puisse voir la vie, les pensées, les émotions de tous les personnages. En fait. Plus de questions ici. C'est bon. Non. Un très fort encouragement à craquer. Ouais. Je crois que nous avons unanimes à ce sujet-là, quoi. Je crois qu'on a été très unanime. Hein. Laissez ton provisoire. Ouais, il est là. Il bouge plus. Non, mais il bouge plus. Jusqu'à la semaine prochaine, c'est ça. Mais je vais racheter un exemplaire sans le provisoire. Mais celui-là, il reste là. Mais du coup, je savais que ça se retournerait contre moi. Ouais, ça marche. Du coup, j'ai un exemplaire unique, il y a provisoire. C'est sûr. Je suis ravie pour toi, Audrey. attendez que je cherche. Elle va vraiment être très contente de te voir la semaine prochaine, je pense. Ravie. Mais je lui ai manqué. On s'est oui, manqué. Trop. Le temps a été trop long. Je cherche. Excusez-moi. J'aurais dû mettre des marque-pages avant. Mais tu vois, je lance une mode. Team provisoire. C'est moche. C'est trop moche. Bah ouais. Il était censé être provisoire. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et puis au final, bon, c'est pas plus mal. Hein. Allez, c'est parti pour l'extrait. Le ciel opaque et laiteux pesait sur la terre, reflétant en miroir la poudre neigeuse du sol. La beauté de l'endroit ne lui renvoyait néanmoins qu'une sensation de néant. Tout semblait recouvert d'un linceul vague et lointain. Son univers était réduit à l'unique chose qui faisait encore battre son cœur, la moitié de son âme. Il ne lui restait pourtant plus beaucoup de temps avant que tout ne s'efface. Le passé, le présent et l'avenir. Liés à cette vie qui se répandait sur ce sol, prenant la teinte vermeille de la mort. Durant ces quelques secondes où le silence enveloppa son esprit comme pour l'isoler du monde, les souvenirs défilèrent, magnifiques, douloureux et précieux, lui remémorant également les choix qui avaient été faits et qui les avaient amenés là, à cet instant particulier où tout avait basculé. La souffrance explosa dans sa poitrine. À quoi bon tout cela? Pourquoi avoir tant traversé le doute, la peur, l'horreur du passé, l'incertitude de l'avenir et les épreuves pour se voir voler ce pourquoi ils s'étaient tant battus? Aucun d'eux n'avait cherché ce lien qui les unissait. Pourtant, il était là, brillant au fond de leurs âmes, indestructible. Et ce sentiment qui les avait sauvés des ténèbres et de la solitude perdurerait encore. La promesse se cristallisa dans son cœur, tandis que leurs ennemis se rapprochaient d'eux, les encerclant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'échappatoire, juste la mort. Ses yeux voilés par les larmes se relevèrent. Elle était là. Les pétales rouges de ses roses se balançaient au gré de la brise comme un appel. Ses paupières se fermèrent, puis se rouvrirent lentement. La détermination s'enracina dans son esprit et ses doigts crispés se détendirent progressivement. Un calme étrange l'envahit. Il restait un espoir. Voilà. C'est un bon choix d'extrait, je trouve. Merci. Cette partie-là. Oui. J'ai eu un peu d'aide, hein, parce que j'ai... Oui, parce que j'avais t'as... une amie cet après-midi et je lui disais, elle n'a pas répondu, je ne sais pas quel extrait lire. Elle m'a dit, bah... Mais je n'avais pas pu choisir, moi. Moi non plus. Bah, vous m'avez été d'aucune aide, hein. Bah moi j'ai vu dans la foulée, je sais pas quoi choisir et ça vous va si je fais ça du coup ouais. Donc voilà. Et alors du coup je l'avais pas dit mais vraiment c'est côté de petits paragraphes au début de chaque partie qui annonce et amorce ce qui va se passer, mais au moment où on le lit on ne sait pas qui on parle. C'était... Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. Ça réintriguait, je trouvais. Et en même temps, ça donnait un peu la couleur de ce qui allait se passer ensuite et de ce qu'on allait découvrir
dans la partie et enfin, ça fonctionnait extrêmement bien pour moi. Bah, tant mieux. Tant mieux. Et du coup, c'était génial de les retrouver après, dans leur coin cadre, et de réassembler tout le puzzle et de dire « Ah, c'est donc ça que je n'avais pas compris. » C'est ça. Ça donne un côté un peu mystérieux, un peu, du coup, ça relance un peu l'intérêt. Et ouais, je suis d'accord, ça, c'était vachement bien, ouais. Ouais, ça relance l'addiction, ouais. Moi, j'ai parlé en tant qu'addiction. Oui. Il fallait au moins ça pour que je le lise dans la semaine. J'aurais été incapable de lire ce roman dans la semaine, avec la semaine que j'ai eue, sans addiction, ça, c'est sûr. Même avec l'audio, oui. Ben merci en tout cas pour cette expérience. Merci beaucoup. Live. Merci à vous toutes. C'était vraiment sympa. C'était vraiment très agréable. Du coup, j'ai envie de le relire maintenant. Allez. Oui, Blanche, c'est bon. Il est un peu tard. Il est un peu tard quand même. Oh, ça va. Ça va. On va t'envoyer un message demain matin. Pas de problème. C'est bon, je l'ai relu. Merci à tout le monde sur le chat aussi, vous avez été chouette. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous tous en tout cas. Merci. Et merci de m'avoir invité. C'était chouette. Bah, merci à toi d'être venue. Bah oui. Oui. J'ai vu la lumière, je suis passée par là. On va s'arrêter là du coup. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci pour vos messages, merci pour vos questions. C'était super chouette. Et puis n'oubliez pas de le mettre dans votre wishlist, dans votre pile à lire, dans votre ce que vous voulez. Ouais. Alors, moi, je voudrais juste préciser un truc, c'est qu'il est dispo sur Amazon, mais sur Amazon, vous n'avez pas le vernis sélectif, tout ça. Ouais. Donc, commandez-le vraiment sur la boutique de Plume Blanche. Ou chez votre libraire. Ou chez votre libraire, ouais. Mais voilà. C'est parce qu'en passant par Amazon, vous n'avez pas toutes les belles finitions. C'est ça. Et ça vaut le coup, parce que c'est vraiment beau. Disons qu'il n'y a pas la qualité, ni du papier, ni de la... Voilà. Un détail très important, finalement. Merci de l'avoir précisé, Audrey. Tout à fait. C'est important. Bon, bah, écoutez, merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci pour le relire. Et bon visionnage aussi. Salut.